vieux chauve-souris. Allez, quelqu'un a bien dû voir où il est allé. Un gros jarret saillant, portant une cape, sortant de la pénombre et tabassant des malfrats inutiles. Personne? Non? Ah, tiens. Zaz a enfermé le docteur Jung dans le bureau du directeur. Je dois sortir d'ici. Essaie de passer, Batman, et je te fais griller! Ah, te voilà! Je t'attendais en écoutant Zaz faire hurler le gentil médecin pendant que tu batifolais dans l'univers de l'épouvanteuil. C'était comment? Tu as appris des choses sur toi? Oh, raconte! Prends un siège! Parle-moi! Je t'écoute! En fait, ça vient de me revenir. J'avais cru entendre Zaz lui couper les oreilles. Ça en avait tout l'air. Où tu es, Batman? Et écoute-moi bien. Allez! S'il vous plaît, aidez-moi! Tu approches? Je repeins la pièce en rouge avec son sang. Je sais que tu es là. Tu entendras bientôt son chant du cygne. Zaz, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu l'as, point! Elle ne sert plus à rien! Mais si je la tue, Batman me tuera. Tu n'as quand même pas peur d'une petite chauve-souris. Recule, Batman. Je blague pas. Oui, recule, Batman. Tu as assez de sang sur les mains, pas vrai? Je peux voir battre les veines de son cou. Je peux sentir la sueur et les larmes couler sur sa chair. Il faut que je la tue. J'ai trop hâte. Elle n'attend que d'être achevée. Oh. Adieu, docteur. Ça, c'était inattendu. Qui aurait cru qu'un dangereux meurtrier tuerait la pauvre doctoresse? Oh, fastoche! Je t'ai coupé les ailes comme un simple poulet. Bonne nuit, Batman! Reste où tu es, Batman. Et écoute-moi bien. Batman! S'il te plaît, aidez-moi! Si tu approches... Ça, c'était inattendu! Qui aurait cru qu'un dangereux meurtrier tuerait la pauvre doctoresse?
fastoche. Je t'ai coupé les ailes comme un simple poulet. Bonne nuit, Batman. Reste où tu es, Batman. Et écoute-moi bien. Si tu approches, je repeins la pièce en rouge avec son sang. Je sais que tu es là. Tu entendras bientôt son chant du cygne. Sas, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu l'as, point! Elle ne sert plus à rien. Mais si tu l'as... Espèce de monstre! Espèce de saleté de monstre! Il n'ira nulle part. Vous pouvez vous arrêter. Pardon. Je suis désolée. J'ai vu Bane. Je sais. Le Joker m'a menacée. J'ai voulu mettre fin à l'expérience. J'ai voulu lui rendre tout son argent. Le Joker ne comprend pas qu'on lui dise non. Il veut une armée. Une force terrible pour annihiler Gotham. Mais c'est impossible sans la formule. Je l'ai cachée, mais... Donc maintenant, il a le venin et votre formule. Mon Dieu, il en a des litres et des litres. Il y a un labo caché dans les jardins. C'est fermé à clé, mais les codes de sécurité de toute l'île sont dans le coffre du directeur. Le Joker prévoit autre chose? J'en sais rien du tout. Vous pensez que tout ce qu'il dit a un sens? Moi, je crois plutôt qu'il est fou. Oh, mon Dieu! Éloignez-vous! Pauvre docteur Young, mais tu sais bien que Monsieur J déteste les balances. Tiens, en parlant de balances... Et ouais, ce vieux taré croit dur comme fer qu'il dirige cet endroit. C'est démentiel. Bon, j'ai plein de choses à faire. Les gars, s'il se relève, assommez-le, mais pas trop fort. Monsieur J a besoin de lui à la soirée. Ça doit faire mal. Oracle, Young a été tué. Vous savez contourner ces portes de sécurité? Avant qu'elle meure, elle m'a dit qu'il y avait un laboratoire caché dans les jardins. Les protocoles de sécurité Wayne Tech résistent au piratage. Lucius a bien bossé. C'est une séquence biométrique en deux parties générée par le directeur à l'aide d'un séquenceur. Et détruite par le Joker dans l'explosion du coffre. Harley Quinn a le directeur. Il est notre seule chance de passer les portes. Ok. Bonne chance. Alors, tu as abandonné et pris ma carte? J'espère que ça se révélera utile. Facile, non? On va voir. On va voir.
Batman. Oui, bien entrée. Pourquoi Liu est avec elle? Elle aime peut-être les fossiles. Ferme-la, tu vas tout faire planter. On se calme. Liu, la bouclée. Allez. Bon, t'as compris? Ouais. Vous savez où me trouver, à plus. Crétin. Marcher n'importe où dans l'asile. Toute personne prise en flagrant délit sera... C'est stupide. Toute personne prise en flagrant délit se verra amputée de ses jambes et fera des tours de magie à l'empereur Joker. Voilà. Je l'ai fait. Depuis qu'on s'est cassé. Ouais, le Joker fait descendre sa titanie et nous dit de garder le tunnel. On garde le tunnel. Le Joker nous fait tuer la titanie. On l'a tué. Le Joker m'a dit que tu es ma sœur un jour. Tu l'as fait? Bon sang. C'est Batman! Ouais! Finis son sang! De côté. Oh.
patient enregistré numéro 1. Nom du patient, Victor Zaz, diagnostiqué cliniquement fou après le meurtre d'au moins 20 femmes dans la région de Gotham. Bonjour Victor, je suis le docteur Cassidy. Comme c'est notre première séance, prenons le temps de nous connaître. Je n'ai pas besoin de vous connaître, Miss Cassidy. Tout est sans importance. Ne pensez-vous pas avoir une conception très négative de la vie? Vous avez lu mon dossier, sans aucun doute. Oui, oui, en effet. Il est écrit que vous venez d'une famille riche, que vos parents sont morts, et que vous avez perdu tout votre argent en jouant. Et rien n'a d'importance. Pourquoi dites-vous ça sans arrêt, Victor? Parce que la seule chose qui compte est la cicatrice. Avez-vous vu mon travail, Miss Cassidy? Si vous faites allusion aux cicatrices sur votre... Bien sûr que je pense à ces cicatrices. Et j'ai une place pour la vôtre. Vous voulez voir où? Mais tu l'as tiré dessus. Ça ira. La fin. Carrément. C'est Batman! Je ne suis pas vraiment fan des fleurs, Ivy. Elles ont mal. Elles ont fait la lèvre. Ne bouge pas de là. Je n'ai pas besoin que tu t'échappes. Oh, bébé, je vous sauverai. Personne ne vivra mal.
À l'aide! À l'aide! Pitié, au secours! Aidez-moi! Je suis là-haut! À l'aide! Vous devez me sortir de cette cellule! C'est moi, Cash! On a besoin de moi! Je peux aider! À l'aide! Ah! Une autre énigme facile! Ne fais pas trop fier, Batman! Je suis là-haut! Pitié, au secours! Aidez-moi! Harley! Il faut que tu m'aides! Ivy! Waouh, t'as une de ces tronches! Si tu veux, je te passerai un peu de shampoing. Les plantes! Tu ne les entends pas? Je les entends hurler de douleur! Ah ouais? J'ai pas vraiment le temps, là. S'il te plaît, laisse-moi sortir, elles vont mourir sans moi! Je sais pas, Ivy. Tu n'es pas sur la liste des invités, tu sais. Alors? Oh, pitié! Oh, et puis tant pis, je te fais une place. Oh. Ah là, ça va beaucoup mieux. Oh, c'est une brave gamine. Je pourrais regarder ces filles pendant des heures. Quelle folie, non? En parlant de folie, voici un peu d'agitation que j'ai mis jeter rien que pour toi. Qu'est-ce que vous attendez? Il a pris le contrôle des systèmes de sécurité. J'ai le générateur de séquence, mais sans le terminal de mon bureau, il ne sert à rien. Le terminal a été détruit. Donnez-moi le séquenceur. Quoi? Oh, oui, bien sûr. C'est inutile. Vous n'irez nulle part sans le code entier. On est coincé ici. Il y a toujours une issue. Toujours. Restez ici. Verrouillez la porte quand je pars. Bonne idée. On ne peut pas laisser quelqu'un de mon importance entre leurs mains. Ah, vous avez découvert mon vrai visage, détective. N'en parlez à personne. Sortez-moi d'ici! Vous avez sauvé le mauvais directeur. C'est un imposteur. Vous savez qu'il y a des tas de poules.
Surprise! Oh, Batman, il y a toujours eu de la tension entre nous. Ça se concrétise. Et je sais, c'est un choc. Viens me chercher, Batman, si t'es capable. Allez donc chercher une arme pour descendre cet idiot de Batman!